أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит: «Батюшка, объясните мне одну вещь». Я говорю: «Ну давай, попробуем». Иногда бывают такие вопросы задают, что и не ответишь. Вот я, говорит, когда, ну она уже пожилая, говорит, когда мне нужен фран, я поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливается русский, крещеный, то он говорит, это моя работа, и берет деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещенные водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху там или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, отдай я тебя еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя и в магазин свожу, и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещенным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда. Только одни бабы. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Rappelle-toi quand les anges dirent ô Marie, certes Allah t'a élue et purifiée. Et il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Dans ces nobles versets,
dans lesquels Dieu est glorifié et sa servante Marie depuis 14 siècles, Dieu nous informe qu'il avait élu Marie au-dessus des femmes des mondes. Or, il n'y a aucun des livres de la Bible, des 73 livres de la Bible catholique ou des 66 livres de la Bible protestante qui porte le nom de Marie. Par contre, une sourate du Coran porte son nom et c'est le seul nom de femme que vous trouvez mentionné dans le Coran. Voici encore une preuve que si Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, avait écrit ce livre, le Coran, il n'aurait pas manqué de mentionner le nom de sa mère ou de ses épouses ou de parler de sa naissance et de sa lignée. Mais tout cela est absent dans le Coran. Un seul nom de femme, Marie, et son fils Jésus, qui a été cité 11 fois sous l'appellation de vérité, ô Jésus, le Messie, fils de Marie. Dans le deuxième verset, Dieu ordonne à Marie de se prosterner devant lui et de l'adorer et de s'incliner devant lui. Par ces versets, nous comprenons qu'à l'époque dans laquelle a vécu Marie et son fils, lui et elle n'adoraient que Dieu. Ils n'imploraient que Dieu seul. Jamais Jésus n'a façonné une statue de sa mère et prié sa mère, ni non plus fabriqué une statue de lui-même et se serait mis à genoux devant lui-même et se serait prié lui-même. Tous les deux ont demandé le secours de Dieu. Même dans l'évangile de Luc au chapitre 19, Jésus, dans la détresse, appelle le secours de Dieu qui lui envoie un ange. Dans le livre du Deutéronome, lorsque Moïse, paix soit sur lui, reçoit la Torah dans laquelle se trouvent les 10 commandements, le deuxième commandement ordonne à Moïse de ne se prosterner que devant Dieu et de ne pas se prosterner devant des images taillées. Autre preuve que Moïse aussi se prosternait devant Dieu. Nous avons dans le Coran une autre sourate qui porte le nom de la preuve. C'est la sourate numéro 98. Dans cette sourate, qui commence par ces paroles, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le tout clément, ceux qui n'ont pas cru parmi les gens du livre et parmi les idolâtres ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Et qu'est-ce que c'est que cette preuve? La suite du verset nous l'indique. Un messager de la part d'Allah qu'il leur récite des feuilles purifiées. Donc, il s'agit de Mohammed, sur lequel Dieu a fait descendre le Coran et qui récite les feuilles purifiées du livre d'Allah, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Puis Dieu dit, et ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue, c'est-à-dire Mohammed et le Coran. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière de l'adoration, as-salat, d'acquitter la zakat, l'aumône pour les pauvres, et voilà la religion de droiture. Nous comprenons aussi donc que la religion de Moïse, de Jésus et de Mohammed était une seule et même religion. C'était la soumission à Dieu
et de n'adorer que lui et de ne pas lui associer quoi que ce soit et de faire le bien et d'éviter le mal et les interdits que Dieu avait prescrits. Puis Dieu dit dans les versets qui suivent, les incroyants parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui ont cru en Dieu et à Mohammed et au livre que Dieu a fait descendre sur lui, le Coran, et qui accomplissent des bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Fin de citation.